Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de vous donner les clés pour savoir comment raisonner lorsque, dans une consultation, vous êtes mobilisé sur une question qui, au premier abord, peut paraître assez simple, mais qui, en réalité, est assez complexe, c'est celle du pacte de préférence. Lorsque vous pressentez que, dans une consultation, il est question d'un pacte de préférence, ce qui peut être le cas, soit parce que dans l'énoncé on vous dit que c'est un pacte de préférence, soit parce que vous avez identifié au regard des faits prononcés qu'il s'agit d'un pacte de préférence, vous devez d'abord et avant tout vous assurer de l'existence de ce pacte de préférence. Pour vous assurer de l'existence de ce pacte de préférence, vous avez en réalité deux questions à vous poser. La première est de savoir si les éléments essentiels du pacte de préférence sont bien caractérisés dans le cas qui vous est suggéré. Ça permettra de savoir si vous pouvez effectivement qualifier le contrat litigieux de pacte de préférence. La deuxième question à vous poser, c'est de savoir si les conditions de validité du pacte de préférence sont réunies. Concernant la qualification du pacte de préférence, c'est-à-dire les éléments qui sont essentiels à la qualification d'un pacte de préférence, vous tâcherez à identifier dans le cas pratique les éléments qui permettent de constater que par contrat, une personne a conféré à une autre ce qu'on appelle un droit de préemption, un droit de priorité, pour le cas où elle s'engagerait un jour à conclure un contrat. Elle lui a proposé de le conclure avec elle. C'est un droit de priorité conventionnel, puisque vous avez altéré en quelque sorte une partie de votre liberté contractuelle qui est de librement choisir la personne du co-contractant. Vous avez d'ores et déjà pris l'engagement, pour le cas où vous concluriez le contrat, à le proposer par le priorité au bénéficiaire du pacte de préférence. Si vous arrivez à identifier dans le cas qu'il y a effectivement des indices qui laissent à penser que par l'entremise d'un acte juridique, une personne a conféré un droit de priorité à une autre pour la conclusion d'un contrat, c'est que vous êtes bien en présence d'un pacte de préférence. Une fois cette étape franchie, la deuxième étape, c'est de vérifier si les conditions de validité du pacte de préférence sont réunies. Et à la vérité, il y a assez peu de conditions de validité, puisque de jurisprudence constante, depuis le début des années 2000, il est acquis que ni la stipulation d'un délai, ni la prédétermination du prix ne sont des conditions de validité du pacte de préférence. Ce qui fait dire au fond, aux auteurs que le pacte de préférence est valable à la seule condition que le bien objet du pacte soit suffisamment déterminé ou déterminable. Pour le reste, il n'y a au fond, à vrai dire, aucune condition, ni la stipulation d'un délai, ni la prédétermination du prix ne sont des conditions de validité du pacte de préférence, donc bien souvent c'est assez simple de vérifier ces conditions de validité. L'existence du pacte de préférence avérée, vous pouvez conclure que le régime juridique est d'application intégrale et que du coup, vous allez vous interroger sur les éventuelles conséquences afférentes à ce pacte. Dans quasiment tous les cas qui vous sont proposés, la question qui suit l'existence du pacte de préférence, c'est de savoir ce qu'il advient lorsque le stipulant, celui qui a pris l'engagement de proposer la conclusion du contrat par priorité avec le bénéficiaire, lorsqu'il stipulant méconnaît sa promesse et que lorsqu'il a l'intention de conclure le contrat, eh bien, il propose la conclusion du contrat à un autre que le bénéficiaire du pacte de préférence. Il y a deux sanctions. La première, c'est déjà qu'il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du bénéficiaire du pacte. Puisque le pacte de préférence est un contrat, qu'il engendre une obligation de résultat, le fait de ne pas avoir, au moment où vous souhaitiez conclure le contrat, proposé la conclusion du contrat à celui à qui vous aviez dit que vous la proposeriez, eh bien, constitue une violation de cet engagement contractuel. L'obligation de résultat n'est pas atteinte, vous pouvez engager votre responsabilité, à charge pour le bénéficiaire du pacte de démontrer qu'il a subi un dommage. Que se passe-t-il lorsque, au mépris du pacte de préférence, le stipulant a conclu le contrat avec un tiers? Il ne s'est pas borné à proposer la conclusion du contrat avec un tiers, il a carrément conclu le contrat avec ce tiers. Eh bien, il est possible pour le bénéficiaire du pacte de préférence de dénoncer le contrat qui a été conclu avec ce tiers, soit en obtenant l'annulation de celui-ci, soit tout simplement en étant substitué dans les droits du tiers, à condition de démontrer que le tiers était de mauvaise foi, et depuis 2006, ce qui a été consacré aujourd'hui à l'article 1123 du Code civil, eh bien, la mauvaise foi se prouve par la réunion de deux conditions cumulatives. D'abord, le bénéficiaire doit démontrer que le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence au moment où il a conclu le contrat, et ensuite qu'il savait que le bénéficiaire souhaitait se prévaloir de ce pacte de préférence.
D'aucuns soutiennent que c'est une preuve difficile à rapporter. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des illustrations jurisprudentielles, des hypothèses dans lesquelles le bénéficiaire a déjà su démontrer que le tiers connaissait l'existence du pacte et son intention s'en prévaloir. Est-ce que c'est une fatalité que ce pacte de préférence? La réponse est négative, dans la mesure où le tiers, qui entend conclure le contrat avec le stipulant, qui connaît l'existence du pacte de préférence, s'est vu accordé, en quelque sorte, par l'ordonnance du 10 février 2016, la possibilité de purger ce pacte de préférence de ses effets par le biais de ce qu'on appelle une action interrogatoire. L'action interrogatoire, c'est la possibilité pour ce tiers, qui aimerait bien conclure le contrat avec le stipulant, malgré l'existence du pacte de préférence, donc, eh bien, puisqu'il connaît l'existence ou présuppose l'existence du pacte de préférence, d'interroger le bénéficiaire afin de lui demander s'il y a bien un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. Si il pose cette question, cet acte interrogatoire, et que le bénéficiaire du pacte de préférence n'y donne pas suite, eh bien, le tiers a la possibilité de conclure librement le contrat, puisque le pacte de préférence se trouve ainsi privé de toute effet. Du fait de cette privation d'effet, le tiers peut librement conclure le contrat avec le stipulant, parce qu'il a au préalable pris soin de demander au bénéficiaire s'il entendait ou non conclure le contrat litigieux. Voilà pour ces quelques éléments qui, je l'espère, vous permettront de ne pas tomber dans le piège des questions qui sont assez classiques, récurrentes, mais pas si faciles que ça à traiter, du pacte de préférence. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.